Rendez-vous le matin à 8h30. On monte par les remontées mécaniques. On se rejoint au poste de secours. On met en place le matériel, on vérifie les barquettes. On se met prêt pour une intervention de secours s'il y a besoin. Et ensuite, on va ouvrir les pistes en se répartissant les tâches, c'est-à-dire chacun ses pistes sont son secteur qui est approprié. Voilà. Donc voilà, on part chacun sur son secteur. On va remettre le balisage en place avec les jalons qui bordent les pistes, côté droit et côté gauche, ainsi que les balises, les redresser, les tourner dans le bon sens. On va poser les banderoles ralentir, les banderoles croisement, les banderoles attention piste verglacée ou cailloux. Donc on installe tout ce qui est potentiellement dangereux. Quand ça c'est fini, on remplit notre registre d'ouverture de piste avec les heures avec lesquelles ça a été ouvert et ce qu'on a pu faire dessus, hein, si on a posé des banderoles ou si on a retouché un filet par exemple, si on a remonté des matelas, voilà, on fait une main courante. Donc après on se rejoint au poste de secours, on attend les secours s'il n'y en a pas en cours, donc c'est ce qu'on appelle les permanences. Et on se tient prêt donc au point haut pour redescendre en gravité sur les secours s'il y a besoin. Voilà. Donc si c'est assez calme, on peut patrouiller dans la journée, remettre le matériel qui a besoin d'être mis en place. Et sinon, on reste en haut pour faire face à la demande des blessés. Voilà. Puis le soir, donc c'est la fermeture des pistes. Donc tout le balisage qui a été installé le matin, ben, ça va être enlevé. On remettra donc les banderoles repliées sur le côté. On enlèvera quelques jalons qui pourront gêner éventuellement sur le passage des dameuses avec les câbles. On enlèvera les chicanes qui sont faites par les filets qui ont été installés le matin pour ralentir les gens aux endroits dangereux. Et ensuite, on prendra les remontées pour aller au point haut au poste et puis redescendre sur les pistes pour fermer les derniers, pour passer en dernier sur les pistes et s'assurer qu'il n'y ait personne sur le domaine. Voilà.